Salut à tous, c'est Jasora. On se retrouve aujourd'hui encore sur Black Ops 2. Toujours cette fois sur Burhead, mais donc cette fois-ci ça sera pas en mode normal, ni en mode libre, mais ça sera en mode infection. Donc un mode qu'on voit pas beaucoup déjà. Bah, personne n'y joue, honnêtement. Et en plus, sur YouTube, moi j'ai vu qu'une vidéo de ça. Enfin, moi personnellement j'en ai vu qu'une. D'ailleurs, sur Code QG, c'est la seule vidéo d'infection qui est passée sur Code QG, si je me trompe pas. Et c'était à l'occasion de la sortie du mode. Alors cette fois-ci donc je l'ai testé sous cette nouvelle map Burhead qui est sortie je le rappelle aujourd'hui même avec le DLC Vengeance. Donc cette map au début bah ce que vous voyez là c'est actuellement mon premier gameplay, ma première partie sur cette map. Donc enfin de toute façon il y a des moments où je vais me perdre, genre là par exemple, mais il y a un peu plus tard où ça sera un peu plus choquant, quand je sais pas vraiment où je devais aller et tout, donc je me plantais dans les murs. Donc comme ça, vous voyez bien que c'est bien ma première partie, et enfin je vous ai pas menti tout simplement. Alors je vais essayer de rusher un maximum, même si au début, donc bah, je suis resté là parce que c'est là que je spawnais et j'ai vu que c'était super facile de tuer les zombies d'ici. Mais après donc je me suis dit bah c'est autant vous proposer ce gameplay, donc j'ai décidé de plus rusher, même si d'habitude c'est pas du tout ce qu'il faut faire en infection. Donc franchement, si vous voulez faire des gros scores, honnêtement, enfin, j'ai pas la prétention d'être un grand joueur d'infection. Franchement, bah, déjà j'ai joué, ça doit être ma genre cinquième partie sur ce mode. Enfin, avec Dinner, je jouais sur Dinner un petit peu, et donc je suis pas très bon, mais enfin, je crois que j'ai gagné toutes mes parties. Mais donc voilà, donc j'ai pas une grande expérience non plus, mais je vais essayer quand même de vous donner quelques trucs et astuces, on va dire, comme pour la vidéo sur Rush. Donc sur cette vidéo, sur ce gameplay, je voulais dire. Par exemple, donc généralement vous spawnez ici, vous pouvez spawner un autre endroit, donc ici près du manoir là. Et si vous voulez faire des gros scores et pas un gameplay joli à regarder, bah restez ici tout simplement, vous les attendez en viseur fixe. Si les mecs sont pas coordonnés, parce que je le rappelle, en infection normalement c'est 3 zombies contre un humain, mais là il y avait un rush kill déjà. Donc là on était 2v1, et le 2v1 donc il y a une seule façon et très simple de battre l'humain, sauf s'il est mauvais hein. Sauf s'il est bon, je voulais dire. Donc le truc qu'il faut faire, c'est donc il y en a un qui lui se fonce dessus. Donc ensuite il va vous tuer normal, et du coup pendant qu'il sera obligé de sortir son autre arme, bah l'autre l'attaque, et du coup bah il est obligé de se faire tuer. Bon après comme c'est de la partie publique, normalement vous connaissez pas votre allié, et il y en a qui appliquent la technique du vas-y je te laisse passer comme ça j'en profite. Mais voilà, enfin normalement si vous êtes coordonnés et si vous êtes en équipe, bah ça devrait bien se passer pour battre l'humain tout simplement. Mais donc voilà, donc s'ils sont pas coordonnés, vous avez juste à rester là-bas, et puis bon bah, les points s'enchaîneront tout simplement. Après donc si vous voulez faire du rush comme moi j'ai essayé de le faire, bah vous essayez de bouger, de pas trop rester au même endroit. Je le rappelle, en infection vous gagnez des points enfin à chaque fois, genre à chacune des secondes je crois, vous gagnez des points quand vous êtes en humain tout simplement. Vous voyez plus 10, plus 10, plus 10. Et quand vous tuez des zombies, il y a des fois, il y a des bonus qui apparaissent, tels que des fois 2, des bombes nucléaires qui tuent les zombies, il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a un singe, enfin il y a des trucs comme ça, vous voyez. Et d'ailleurs là, il y a le singe que j'ai utilisé plus tard, là je l'ai pas utilisé, je vais mourir. Et donc le truc, le singe, c'est quand vous le lancez, en fait, pour les zombies, ça va, le singe va apparaître comme un humain, donc comme si c'était vous. Et s'il essaie de détruire, enfin de vous tuer alors que vous êtes le singe, et ben il va se faire exploser par le singe, et vous pourrez récupérer encore une fois le singe et le lancer à l'infini tout simplement. Donc c'est un peu une stratégie de gros bâtard. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce système où tu peux récupérer le singe, mais bon, après, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait des trucs abusés en infection. Sachant que c'est un mob, un mode assez. En fait, soit vous la jouez un peu convivial avec des potes et tout, vous marrez bien parce qu'il y a des gros what the fuck, genre des commandos across the map, ou alors des trucs un peu bizarres avec les armes. Soit vous la jouez en genre solo et vous commencez à rager parce que vous faites enchaîner ou vous faites tuer n'importe comment, enfin voilà. Donc voilà, vous voyez, par exemple, j'ai spawn à un autre endroit, donc vous êtes pas, genre, c'est pas un spawn de démo, vous êtes obligé de spawn là-bas. Donc voilà, donc j'ai essayé d'explorer à peu près tous les recoins de la map. Je pense que l'avoir fait, la plupart des coins. Et puis vous avoir donné quelques trucs et astuces qui vous plairont. Tout simplement, donc je vais envoyer cette vidéo à Code QG et à Code CF parce que bah, c'est un mode assez original. Et puis bon, c'est une nouvelle map, donc ça va être la journée spéciale.
spécial Buried et Vengeance, je le rappelle. Et donc voilà, donc ça pourrait passer. Et puis voilà, donc ça pourrait passer tout simplement. Donc il reste 1 minute de gameplay. Et en fait, donc je l'ai pas dit, mais en fait, donc la première arme c'est l'exécuteur. Ensuite c'est le M1216. Ensuite la M27. Et ensuite le Cap 40. Et après le Cap 40, il y a le petit flingue du début qu'on a en zombie, le M100 quelque chose. Là je sais pas trop comment il s'appelle. Faut savoir que avec le M100, bah, je sais pas comment il s'appelle, mais donc vous ne pouvez pas, je crois qu'il faut genre 5 chargeurs d'affilée sur un zombie pour le tuer, donc en gros c'est soit impossible de le tuer, donc faut soit avoir une mort instantanée comme je l'avais, ou alors bah tu tournes autour du zombie pour survivre. Moi j'ai déjà fait ça pendant genre 45 secondes, le mec arrivait pas à m'avoir, je le trollais un peu. Mais donc là on s'égare un peu, donc il reste 15 secondes de gameplay, donc là je vais achever cet humain-là et je vais finir par survivre. Non, j'aurais failli prendre cher. Et donc forcément bah, je vais gagner la partie, ça sera quand même malgré tout, malgré que je sois pas un très grand joueur d'infection, une bonne partie je trouve. Et puis je vais quand même dominer les ennemis parce que je crois que lui, le deuxième, je lui ai mis 3000 points d'avance, un truc comme ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes sur code QG ou code CF, bah vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez passer faire un tour sur ma chaîne. Et puis voilà, donc j'espère quand même que la vidéo vous aura diverti, mais je crois que je l'ai déjà dit, donc on va arrêter de se répéter et on va se taire tout de suite. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Justsora.